On va pouvoir démarrer cette journée qui s'annonce très très riche. Je suis très très heureuse que cette journée se déroule aujourd'hui. Vous allez pouvoir rejoindre des séquences parallèles, des petits ateliers. Profitez-en, bonne réflexion à vous et à tout à l'heure. Cette journée climat à laquelle nous a conviés l'AFSI, c'était avant tout l'occasion de se rencontrer et d'échanger entre personnes qui travaillent soit en tant que communicants, en tant que responsables RSE, en tant que RH parfois. C'est la première fois que je faisais ce type d'événement avec l'AFCI. J'ai pu rencontrer beaucoup de personnes, avoir beaucoup de partage d'expériences. Donc permettre d'appréhender la question du climat et comment passer à l'action. En plus, c'est un sujet qui me touche beaucoup, le climat, donc très intéressant. En revanche, il y a une vraie question sur comment est-ce que concrètement on agit et on débloque notre stratégie pour la déployer en action. Donc c'était tout le sujet de la journée et de se partager des bonnes pratiques, des conseils, des retours d'expérience sur le sujet. Des actions concrètes à mettre en œuvre demain en entreprise, c'est aussi un moment de partage entre pairs où on peut échanger des idées, échanger des bonnes pratiques, échanger aussi des défis. Visiblement les salariés sont prêts à s'investir pour le climat d'après les études qu'on nous a présentées ce matin. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'on se dit qu'il y a juste à les solliciter et que très certainement ils vont vous suivre. Alors moi je travaille dans une entreprise dans l'environnement, donc évidemment le climat est un sujet plus que prégnant chez nous, mais il y a quand même des initiatives qui se font que je trouve vraiment intéressantes. Demain quand je vais retourner au sein de la Berry Fine Food, je vais avoir envie de raconter à mes collègues toute la matière riche que j'ai découverte aujourd'hui autour des enjeux climat et comment nous, communicants internes, on peut agir et mettre en mouvement. Et je vais évidemment faire part de l'organisation, de la convivialité et de la richesse de ce qui est dit et de ce qui est partagé, notamment entre pairs. Et ça c'est clairement quelque chose que j'aimerais bien pouvoir dupliquer, ou en tout cas pour inspirer les collaborateurs chez nous. Merci.